L'une des conséquences économiques de la pandémie liée au coronavirus est la hausse du nombre de chômeurs dans le monde. Alors que cette notion est complexe et que son mode de calcul dépend du pays que l'on considère, l'objectif de cette vidéo est de complexifier ce phénomène, du moins en France. Partons d'un fait, la situation dans certains pays s'est fortement aggravée du point de vue de l'emploi. Il suffit de voir cette une du Monde datant du 27 mars 2020, soit deux semaines après la déclaration officielle de l'état d'urgence sanitaire aux États-Unis. Ce graphique, élaboré par le professeur d'économie Justin Wolfers, montre une explosion du nombre de chômeurs, avec 3,3 millions de demandeurs supplémentaires sur une semaine, soit 10 fois plus qu'à la normale. En France, le phénomène n'a pas été si rude, même si la hausse a été brutale, puisque nous comptons, au premier trimestre 2020, près de 4,4 millions de demandeurs d'emploi. Du moins, c'est ce que l'on peut lire dans les médias, journaux, télévisés, car ce que l'on sait moins, c'est que ce phénomène est largement sous-estimé. Explication. Le premier se fait grâce à des enquêtes emploi délivrées par le Bureau international du travail, le BIT, dans lequel chacun fait part de l'état de ses recherches d'emploi, ainsi que de leur disponibilité. Des résultats sont délivrés tous les mois et ce sont les chiffres que l'on peut lire notamment sur le site de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques. Le second se base sur le nombre d'inscrits à Pôle emploi et les chiffres sont délivrés par le ministère du Travail. À ce stade, nous avons donc deux outils, deux définitions de ce qu'est un chômeur et deux façons de le comptabiliser. Ce n'est que le début, accrochez-vous. Commençons par le Bureau international du travail, puisque selon eux, un chômeur est une personne qui est âgée d'au moins 15 ans, qui n'a pas eu d'emploi pendant une semaine précise, qui a effectué des recherches d'emploi pendant les 15 dernières semaines ou qui a trouvé un emploi commençant dans les 3 mois et être disponible pour travailler dans les 2 semaines à venir. Alors que pour Pôle emploi, comme je l'ai dit en fait, il faut être inscrit dans les registres de Pôle emploi pour être considéré comme étant chômeur. Bon, c'était simple jusque-là. Attendez la suite. Parce que ceux que l'on appelle demandeurs d'emploi, ben finalement c'est un ensemble d'individus qui sont répartis dans différentes catégories selon leur temps de travail et leur temps de recherche. Nous avons donc 5 catégories, les catégories A, B, C, D et E. Les personnes de catégorie A, ce sont des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui effectuent des recherches de tout type d'emploi. Alors que les personnes de catégorie B, ce sont des personnes qui ont travaillé 78 heures au maximum et qui recherchent un emploi. Alors que les personnes de catégorie C sont des personnes qui ont travaillé au moins 78 heures et qui recherchent un emploi, pendant que les personnes de catégorie D ne sont pas disponibles immédiatement, alors que les personnes de catégorie E recherchent un emploi alors qu'ils en ont déjà un. Camoulox ? À ce stade de la réflexion, nous pouvons observer deux choses. La première, c'est qu'en ayant deux définitions différentes, nous pouvons avoir deux évolutions contradictoires, comme le montre ce graphique. Deuxièmement, les chiffres que l'on entend dans les médias. La baisse est à peine visible. Moins 149 900 demandeurs d'emploi en un mois, c'est-à-dire moins 3,3% par rapport à avril. Correspondent finalement aux personnes de catégorie A, au sens de Pôle emploi. Car si l'on relit attentivement l'article du Monde paru le 25 juin dernier, la catégorie mise en avant dans les premières lignes est la catégorie A, donc les personnes n'ayant pas travaillé dans le mois. Mais le fameux recul qu'ils décrivent est masqué par la hausse du nombre de demandeurs d'emploi dans la catégorie C. Comme pour beaucoup de choses en économie, il faut être vigilant lorsque l'on interprète les chiffres du chômage. Dans un premier temps, pour l'INSEE, il faut avoir un emploi rémunéré. Donc tous les stages non rémunérés ou tous les travaux associatifs ne sont pas considérés comme un emploi et vous êtes considéré comme un chômeur. Deuxièmement, selon la définition de l'INSEE, il faut être âgé d'au moins 15 ans pour être considéré comme un chômeur. Or, à 15 ans, il est fort probable que l'on étudie encore. On est même encore au lycée. Abaisser l'âge à 15 ans est d'autant plus discutable qu'en France, l'âge moyen du premier emploi est d'environ 22 ans et 5 mois. Troisièmement, si l'on reprend la définition du Pôle emploi et chômeur, celui qui est inscrit dans les registres. Or, il arrive très souvent que des personnes qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui attendent désespérément finissent par se désinscrire. Ils sont toujours chômeurs, mais ils ne sont plus comptabilisés comme tels. Donc parfois, la baisse peut être masquée par ces personnes qui finalement se désinscrivent, mais ne changent pas d'état. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses et de nouveaux décryptages. Salut !